tiens, vous prêtez Maïmoud de cérémonie. I'm Marco. Et que ce soit une espèce de gros chaos. I'm American. And I'm Andrea. Oh, mon Dieu. Bonsoir à tous les amis, c'est encore ma Francie, j'arrive encore avec une bonne énergie. Aujourd'hui c'est le 1er décembre 2022. Le 1er décembre en Roumanie, vous devez savoir que c'est la journée en fait de l'union de la Roumanie. La Roumanie en fait, comme vous voyez l'état aujourd'hui, c'est une association de plusieurs régions. Il y a Valachia, Moldova, la Transylvanie et d'autres encore. Ils se sont réunis le 1er décembre et donc chaque 1er décembre ils fêtent la journée voilà, de l'union de la Roumanie. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais un peu essayer d'interviewer les gens dans la rue. Bon, ça c'est vraiment la première fois que je sens de le faire ça. Je vais un peu essayer de leur demander en fait ce qu'ils aiment le plus à propos de la Roumanie. Donc on va voir ça et à tout à l'heure. Allez, ciao. What do you like the most about Romania? The liberty to be yourself, okay. Whatever you are, however you are. Okay. Even if we like to criticize, okay. Between each other. Cu oamenii, că din aici poți să petreci foarte mult. Sunt toți prieteni noi și okay. Poți să faci prieteni foarte ușor. Okay. Și București, din așa ca oraș, e super orașul. J'aime bien le fait que ce soit une espèce de gros chaos, mais c'est quand même sympa. Je sais pas comment expliquer. Gros chaos? Ouais. T'es artiste? tu fais de l'art? Ouais, je fais de l'art. Ah, ça se sent avec ton expression, oui, en gros cas ou quoi? Ok, d'accord, super. Il y a des endroits ici dans le pays en Roumanie que tu aimes bien? Ouais, bah la Transylvanie, les Carpates, c'est très très beau. J'ai été là-bas, Brașov. Ouais, Brașov, c'est très beau. Ok, tu as dit les Carpates, voilà, Transylvanie, il y a encore d'autres endroits. Bah je dirais Bucarest. Bucarest, ah ouais. Voilà, et sans doute aussi le nord, là où il y a tous les monastères. C'est une région avec des vieux monastères très très beaux. Mais il y a un endroit ici. Qu'est-ce que tu aimes bien? Je dirais le centre historique. Ah, le vieux centre là ou bien? Ouais, le vieux centre. Après, j'aime bien Parcul Iore. I'm Marco. Marco, ok. And I'm Andrea. Andrea. What do you like the most about Romania? I think the geographic situation. Okay. It's a country that has also a seaside and a fire from the mountains. Yeah. And I like also the traditions and I think the people's hospitality. As from my perspective, we are kind people. What do you like the most about Romania? I was thinking exactly about what Marco said about the hospitality and we are kind and we like to help other people. We also enjoy living and having fun. So. Party! Yeah. Yeah, always, yeah. Yeah. Can you introduce yourself, please? Hi, I'm Italian. Ah, you're from Italy? Yeah. Okay, really. Okay. Why do you like the most about Romania? This part. It's beautiful and it's the biggest in Europe. Okay. I'm American and I've been here for a total of 10 hours. Oh, so I've only been in Romania for 10 hours. Okay. And so far I really like the architecture and the people are very friendly. Oh, that's nice. Just 10 hours? Yeah. And you? This is today. Do you ever play my mood to spend Romania? Oameni în general. Oameni în general. Cum te cheamă? Mihai. Mihai și? Da. Ce vă place mai mult din România? Spiritul de român. Da. Cea mai frumoasă țară. Se simte patriotismul în ziua de astăzi. Deci cea mai mult în trecut. Acum nu mai e lumea. A plecat lumea. Da, dar cine este afară este original. Sunt prea multă frumusețe. N-ai cum să o dai. Pune și Andrew Tate aici. Pune. Andrew Tate, te iubim. Bine ai venit la noi acum. Te așteptăm la World Cup anul viitor sau... Yeah. What do you like the most about Romania? I like the people, I like the culture, I like the food, I like the music. Okay, okay. I think the same things, maybe not the music, but I'm not really a fan. Hey, what's your favorite place you like here in Romania? Probably Bucharest. Yeah, probably Bucharest, there's a lot to do in Bucharest. Yeah. Whatever you want to do, you're probably gonna find something to do in Bucharest. Ce tu ce-ți place mai mult despre Romania? Țiganii mei. Ok. Mă pup și mă respect. Ok. Dar pentru voi, ce este locul pe care vă placeți mai mult? Noi vreau să ajungem în Alba Iulia. Alba Iulia. Oh, am văzut acolo niște vloguri. Este un oraș așa istoric. Da. Foarte frumos. A fost unirea în decembrie. Acolo s-a făcut? S-a făcut? Da. S-a unit întâi țara românească cu Moldova și...
Marea Unire, că s-au unit cele două cu Transilvania. Okay, and what do you like the most about Romania? The seaside. If someone came in Romania, what place would like to recommend to this person? Okay. We can go to Maramureș. Maramureș, oh, I've never been there actually. I've been into a village. Borșa, ea este Maramureș. Very good. Este Maramureș, other place, Piatra Craiului. It's a mountain. Okay. That is very very nice. And of course, Danubiu Delta. What's your favorite food about in Romania? Sarmale. Sarmale, mămăligă. Romania, we say sarmale. 99% just have sarmale and the mămăligă. Yeah. Sarmale, mămăligă. And you? No, I'm not a sarmale person. The first one who's not sarmale. I would say salată de bœuf. Oh, I tried this one. It's good too. Yeah. Yeah, it's good too. What's your favorite food in Romania? Sarmale. Sarmale, oh my god. 99% just have sarmale, sarmale. And mămăligă. And colivă. Colivo. Yes. You know Colivo? I think it's something with the death, no? Yeah. Yeah. Someone gave me wine. It's really good. Yeah. I forget the story. You can remind me about the Colivo. When someone dies, you give some food to people. Exactly. Cake that you go with to the church with. Yeah. And the priest does his thing there. Okay. And then this thing is holy and. Wine, red wine. Bon, par exemple, si je te dis le restaurant Ciorba și Platinco. Bah, ça c'est excellent. Le plat que tu commandes là-bas dès que tu arrives. Je dirais au Ciorba de Ousser. Oh, moi j'aime quoi le goulash. Ah, le goulash c'est très bon. La Moutiane. La Moutiane. La Moutiane. Thank you very much. Oh, merci. Bon les amis, on va devoir s'arrêter là hein, parce qu'il commence déjà à pleuvoir un peu terriblement. Vous avez certainement vu sur l'écran comment est-ce que les gouttes d'eau sont en train de se déposer et tout. Donc voilà, on va devoir s'arrêter là, mais j'espère en tout cas que vous avez aimé les vidéos. C'était mon tout premier vlog en train d'interviewer voilà, des gens dans la rue comme ça, j'ai jamais fait ça. Mais voilà, c'était aussi simple. Moi je pensais au départ que ça va être un peu compliqué, j'allais se crisper et tout. Mais comme vous avez vu les gens et comment ils répondaient, c'était vraiment pas mal. En tout cas moi j'ai trop aimé parler avec les gens comme ça dans la rue, c'était vraiment super. J'espère aussi que vous avez aimé, moi je commence déjà à trembloter là, j'espère que mon nez coule pas. Ça coule, excusez-moi, vraiment je peux même pas voir en fait. Je sens même pas ma peau aussi, je crois que c'est anesthésié par le froid. En tout cas, laissez un commentaire si vous avez aimé. Abonnez-vous aussi, on atteint bientôt nos 3000 abonnés, très important. Merci les amis, donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La revedere, ciao. Oh my god. Too much. It's freezing outside. Yeah.